Madame et bonsoir, bienvenue dans sa zone à la Nugelban site qui domine l'actualité. Logement, gouvernement pour construire 1500 la case Salanila, en l'annonce Premier ministre adjoint Stephen Obigadou, l'ITIPE procède à inauguration en nouvelle résidence, la NHDC, dans Petite Zili, hier. La date butoir pour l'exercice régularisation des bannes non qui figure l'urban facture électricité fin fini à Zodi. Grand matin, environ 40 000 dimoun fin complète ça avec succès ça l'exercice là. Dans le cadre de 186e commémoration abolition de l'esclavage dans sa zone là, nous promenons dans village Aumône, en bas montagne et mon à côte, nous pour faire une visite guidée monument international la route des esclaves. Et dehors, la Commission européenne fin accepter commercialisation vaccin AstraZeneca pour Bandimoun qui a 18 ans et Klao 18 ans. Merci pour fidélité. Le gouvernement pour construire 1500 la case Salanila annonce que Premier ministre adjoint Stephen Obigadou fin faire hier pendant l'inauguration d'une nouvelle résidence, la NHDC, dans Petite Julie, dans le district Pamplemousse, et n'a 179 familles qui pourraient être là-bas. C'est première cérémonie remise des clés pour Salanila. Ben détail avec Dassa Apalasomi. Un grand moment qui sa 179 famille Tipeatan, Zutfinvine, propriétaire de la case NHDC dans résidence Alizée dans Petite Julie. Ses premières inaugurations proséleusement NHDC pour sa nouvelle année là. 8 ans, depuis nous attendons, mais nous comptons aujourd'hui nous recevons nous la clé. Quand on est la case, pour nous, nous avons dit bon Dieu merci qui nous recevons. Moi, je me dis que je suis venu dans la case. Je suis bien content de combien de temps dans la case parce qu'il est bien souffert depuis petit petit. Moi, je suis aussi bien content de venir dans la case. Mais je ne suis pas qu'à Thierry, je connais la case. Je suis bien content parce qu'il est content de nous attendre. Ça a été réalisé. Et là, je suis là, bien bon ici. Sa projet résidentiel là fin commencé en 2018. Coût total, li environ 278 millions de roupies. L'État peut contribuer jusqu'à 67% pour sa clacase. Je tenais un balcon derrière qui est aménagé, qui est capable de venir demain deux futurs à la chambre. Ça concept qui nous mettait là aujourd'hui, comment dire, sans les dépenses beaucoup d'argent, il gagne de la chambre en plus. Il y a un petit jardin derrière qui est capable de mettre sur le banc de bonbon de garde, qui est capable de faire un petit rose lavé, faire beaucoup de rose carré, devant, lui mettre sur l'auto devant. Sa cérémonie de remise des clés là fin fait en présence plusieurs personnalités, dont Premier ministre adjoint Stephen Obigadou. Pendant son allocution, il fin dire que le gouvernement pour construire 1500 la case, ça l'année là. Chaque la case, il coûte au gouvernement 1 900 000 roupies. Chaque famille, son prix, combien il peut acheter sa la case là, avec un HDC, c'est un tiers. 634 500 roupies. Pour ça, 3 roupies qui sont la case là peut coûter, 10 roupies gouvernement de nous cadeau. 10 roupies qui vous payez. Première fois ici, dans un complexe NHDC, nous pouvons avoir un petit la boutique. Depuis l'élection, nous finissons inaugurer près 900 la case. Et là, ça l'année peut venir là. Nous pouvons le faire encore plus que 1500 la case. Imaginez combien la case peut ranger aujourd'hui dans le pays Maurice, NDIAL. 2011 à 2014, en tout et pour tout, 548 la case in livrée. Nous, dans une bonne année, là, nous faisons 900. Pareil comme ban les autres localités NHDC, résidence Alizée, li équipée des ban espaces récréatifs pour ban activité communautaire. Ban Prosin, groupe la case pour inaugurer dans Chebel et Gros Caillou. Et pendant sa cérémonie remise des clés là, Stephen Obigadou fin révine le travail accompli par ban autorité selon lui pour combattre pandémie COVID-19 ainsi que la campagne vaccination qui fin commencé. Stephen Obigadou tire pour nous aussi à ban critique des ban membres l'opposition d'Assa Palasomi. Pendant cérémonie de remise des clés dans résidence Alizée, Premier ministre adjoint Stephen Obigadou fin dire que gouvernement fin bien contrôle pandémie COVID-19, ce qui fait qu'il azodi Maurice li COVID free. Li fin aussi cause le Maurice en tant qu'un des ban premier pays dans la région qui fin commence vaccination anti-COVID.
dans le monde entier, il n'arrive sans des millions de cas Covid. Sud-Afrique, pégaye 1200 nouveaux cas par jour. Madagascar, costé en nous, il n'arrive 18 700 cas. Maldives, tous les jours, peut ajouter 1000 cas. Additionnel, il n'arrive plus que 15 000 cas. La Réunion, contre nous, il n'arrive près 1000 cas. En bout de la France, un pays développé, il n'arrive costé en 1000 cas. Même si Seychelles n'a moins que 100 000 habitants, il peut gagner 20 nouveaux cas tous les jours. Dans toutes nos régions, Maurice même a moins de cas Covid. L'eau contrôle Covid dans nos régions, Maurice premier. L'eau vaccin, c'est celle que Maurice premier dans nos régions. Mais qui faire et ce qui, ça n'a pas causé ça. Steven Obigadou fin aussi cause l'oban mesure qui fin prend pour ban autorité selon lui pour soutenir ban entreprise et ban dimoun pendant pandémie. Li fin aussi commente l'oban critique de l'opposition. Covid in vini, in batlo nous. Les autres pays peuvent vivre en bas là-haut, dimoun peut perdre du travail, des autres dans le pays. Maurice, nous ne récitons tini. Nous pétini, bien tigin dimoun, in perdre du travail. Nous n'empêchons pas l'hôtel fermé. Parce que le gouvernement a dépensé. Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, Wakasho Solidarité Grande, facilité à l'hôtel, nous peut faire la tête, les pieds, pour qu'il y ait pied douri protégé, pour qu'il y ait boussé manzé protégé. Qui est une appli simple autant que ça? Manzé, la case, la santé. Mais qui fait l'opposition pas cause ça? Qui fait dans les médias qui mange l'opposition pas cause ça? Dans la foulée, Premier ministre adjoint fin aussi commente verdict en faveur Maurice Zedi dans le tribunal international du droit de la mer. Selon lui, c'est une décision historique pour Maurice. Et justement, nous intéressons à sa verdict à la Chambre spéciale Tribunal international du droit de la mer. La communauté chagossienne content qui à l'instant ça fin prend une décision en faveur Maurice et résite ban argument des ban Maldives ban membre la communauté chagossienne dire qu'ils sont confiants qui pourront être à l'avenir chagos Adjagen Rengen et Selvina Chadia Sangidi. C'est beaucoup la joie dans la communauté chagossienne après qu'il tribunal international droit à la mer fin donne un jugement en faveur Maurice et fin résette ban argument Maldives. Quand nous fin joignons Lisby, Élisée, tu peux raconter sa victoire là à ce petit enfant, Justin. Lisby fin beaucoup la guerre pour droit ban chagossien retourne l'autre l'île natale. L'année est venue, nous avons gagné une bonne victoire, ban bonne réponse, mais on espérait, c'est ça. Continuer, nous capables de retourner dans sa gosse. Et c'est grâce avec le Premier ministre qui nous donne ce coup de main, ce effort, persévérant Premier ministre, et nous pourrons ici aller dans sa gosse. Moi, une madame qui n'a pas posé d'exemple, mais pour continuer à lutter, mais pour continuer à combattre ensemble avec le Premier ministre pour le réussir sa gosse. Nous finissons aussi joindre Rosemont Saminaden, lui aussi fin consacré sur la vie, lutte pour ban sa gossien. Moi, en 84. 84 ans, mais moi toujours lité derrière la communauté chagossienne, ensemble avec le gouvernement, pour nous l'avenir demain. C'est le tribunal de la mer, moi bien content qu'il nous donne ça, jugement-là, d'affaver Maurice et la communauté chagossienne. Mimos Fassi, depuis groupe Tambou Sagos, lui aussi est une figure emblématique dans sa combat-là. Sa victoire hier, là, bien content, bien satisfait. Enfin, moi, qui hier, ça, les bras ouverts, j'espère que nous pourrons ici. Jugement tribunal international droit à la mer, lui peut faire écho à une décision précédemment qui la Cour internationale justice s'y donnait, une décision historique qui t'y reconnaît souveraineté Maurice, l'archipel Sagos. Mais tu peux dire dans le titre, la date butoir pour l'exercice régularisation des bannons qui figure l'oban facture électricité qui tient à
haïtienne, exemption des bains de frais, dossier fini à aujourd'hui samedi 30 janvier. Grand matin, environ 40 000 timounes qui complètent avec succès ça, l'exercice-là. Une fois, sa date-là finie, ban abonné CEB pour bizarre paye une somme 750 roupies pour bains de frais, dossier, pour bizarre amène tout ban document qui nécessaire. Une équipe, l'MBC, qui dans Rosil, grand matin, nous guette sa reportage, Vidima Sibour. Il y a beaucoup de monde que le CEB Rosil ce samedi-là. C'était dernier jour pour qu'ils s'abonnent abonnés là sans gratuitement non titulaire compte CEB. Si facture un consommateur est toujours ou non une personne qui finit décédée, il y en a jusqu'à mois janvier pour faire modification. Mon vin sans nom pour papier d'année. Ça, c'est le nom, c'est ce nom. Mon vin sans nom pour compter. Et je vais mon papier, mon document qui est devant moi. Je suis venu pour faire transfert, mon papa est décédé, pour faire transfert le mono et que tu nous un document. Objectif, c'est l'exercice régularisation-là, c'est permettre à CEB de mettre à jour ce base de données. C'est une app qui est lancée pour que les gens soient capables de payer leur bill en ligne et en même temps bénéficier encore de certains services. Le consommateur qui peut enregistrer en ligne, il y a toutes les informations qui participent avec l'information qui nous a dans nos databases. Il y en a qui nous trouvent qu'il y a beaucoup de comptes encore le nom du monde décédé pour qu'ils nous capables de donner un meilleur service à nos consommateurs. Nous demandons de régulariser notre compte, mettre sans le nom, déposer une commencée en juin 2020. Et il peut terminer le 31 janvier 2021. Pour une abonne frais de dossier qui pourra être applicable après janvier 2021, ban abonné qui pas fin encore régularise zot compte, bisa adresse zot à ban customer service centers à travers l'île avec une copie ban document suivant, zot carte d'identité, acte décès d'imoun qui se nom figure leur facture électricité là et qu'une preuve d'adresse. Un commentaire Cynthia Moutou, la suite sa zone à la après sa pause pibla. Est-ce que tu connais qui mange en Yoplait Sakzou, bon pour la santé? Laisse-moi dire qui dans Yoplait Nature et n'insiste des ingrédients. Dilé et bonne ferment actif qui bon pour le système digestif et couban les os. Et dans Yoplait Nature sucré, pareil, même ingrédient. Plus un petit guide douceur pour faire la bouse doux. Ça même tout. Un produit naturel et bon pour la santé. Yoplait. Un produit made in Maurice. En mars, 186e commémoration abolition l'esclavage qui pour les 1er février direction village Les Mondes en bas montagne Les Mondes à soir dans le journal nous pouvons faire une visite guidée monument international la route l'esclave qui est géré par Moon Heritage Trust Fund depuis la création de ce monument là ban chef d'état ban invité d'honneur et que public mauricien zot nombreux qui visitent ce lieu là qui remplit et beaucoup mémoire des bains esclaves. Ou pour qu'elle bain détail avec sa reportage signée Manisha Djouti. Bain statue qui trouve dans un jardin avec une végétation indigène riche au pied la montagne symbolique Les Mondes, une montagne qui connue comme un refuge esclave qui t'y sauvé durant la période coloniale. Monument international à la route esclave dans le monde Brabant, il y a aujourd'hui une vigne et un symbole. Mon esclave, tu es de ici, qui nous appelle la vallée des eaux. C'est un ancien village aussi qui s'appelle Bellevue, qui trouve là. Donc c'est là que je suis sacrifié de la vie, je donne de la vie pour, en tant qu'humain, de dignité. Donc c'est pour ça que ce monument-là ici. Un monument qui retrace la route de l'esclave, qui trouve aussi dans Madagascar, la Réunion et Mozambique. Géographiquement, le monde est relié avec l'Afrique. L'Afrique est juste en face de nous, et même Madagascar, le pays d'origine de ce man esclave-là.
Sa itinéraire historique là, il y a une prosée lancée en 1994 par l'UNESCO pour créer ben, une condition favorable à restauration, préservation et promotion d'un ben, monument excite, traite, négrière. Et la commémoration, l'abolition, l'esclavage, les 1er février, force-nous dans un voyage dans les passés pour prendre connaissance de ben, l'événement symbolique et historique. Parmi ben, vestiges passés dans la région sud-est de l'île, le monument à ben esclaves à Pointe-Canon qui tient site de vente des ben esclaves. Oucha Mosaï donne nous ben détails avec ben Zimaz, venu par Dikadou. Monument des esclaves à Pointe-Canon, passé riche, mais également douloureux de notre histoire. Les films concevoir par l'artiste Jean-Michel Autantot depuis 1985, il y entouré d'un paysage magnifique à Maïbourg, avec la baie de Pointe, avec une la mer turquoise. L'endroit est peut-être un des premiers sites que tu peux vendre par esclaves au XVIIe siècle. Il n'y a pas de raison spécifique pourquoi ce lieu fut choisi à l'époque pour un tel lieu de mémoire dédié aux esclaves et leurs descendants. Il semblerait que ce site représente l'arrivée des premiers esclaves à Maurice qui ont débarqué dans la région, donc à l'époque hollandaise. D'autres personnes pensent que c'était un site de vente d'esclaves. Donc c'est un lieu où on commémorait l'esclavage de 1885 à 2007. En 2008, avec l'inscription du MON en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est désormais là-bas où les commémorations officielles du 1er février ont lieu. Maïbourg est une ville qui a été construite en 1803 et a été soigneusement planifiée. C'était la deuxième capitale de l'île Maurice et un port très fréquenté car les activités y étaient très importantes. Malgré qu'il y ait très peu de personnes qui connaissent vestiges de passé de cet endroit-là, le monument y fait la fierté des habitants de la région. Bandimoun qui dorme là, bandakonchaka rose, bandpivier qui mou aussi. À ce là qui nous dit Pointe-Canon. Nous pays nous faisons nos histoires pour nous-mêmes. Pointe-Canon, depuis mon nom, c'est un basement historique. Du tout. Au moins, nous faisons un petit dévoile, nous posons un petit flair là-bas. Nous habitons depuis enfants. Mais toujours, nous disons Pointe-Canon, nous connaissons l'abolition de l'esclavage. Comme dit que c'est entier Maurice du monde vient là. Il y a tout ce symbolisme par rapport à la liberté, liberté qui s'amène du monde là, qui peut rôder à l'époque. Chaque année, à l'occasion du 1er février, il y a une cérémonie de dépôt de gerbes et c'est une tradition qui est strictement respectée. Tous les 1er février, nous allons guetter sa place là parce qu'il y a des affaires qui disent moque nous, dans nous les guerres. Nous obligés à faire un petit moment, nous passer un petit moment, nous manquer nous des enfants qui, ça veut dire, point de canon. À l'époque, ça signifie beaucoup de choses pour nous. Le 1er février, nous avons encore gardé ça monument là, comme un historique, nous avons encore compris nos ancêtres. Sa région du sud de Maurice, qui regorge ban monuments et ban sites historiques, Libisin attire l'attention de nos ban compatriotes sur nous l'histoire qui est encore peu connue. Et nous passons à une nouvelle déo à Stella. À côté, la Commission européenne fin donne ce laval hier à la commercialisation vaccin AstraZeneca pour ban dimoun qui a 18 ans et plus que 18 ans. C'est le troisième vaccin contre COVID-19 autorisé dans l'Union européenne. C'est présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui fin faire cette annonce là. Lydia Kilipia, ta livraison des 400 millions de doses qu'on prévoit. Et des essais cliniques vaccins contre COVID-19 Novavax fin montrer une efficacité 89,3% selon l'entreprise biotechnologie américaine. Mais nouvelle fin contrebalancée par l'annonce conjointe qui vaccin là est bien moins efficace face à variants identifiés en premier en Afrique du Sud qui ban scientifique considère comme appli contagieux et la France qui pas pour reconfiner pour les moments pour ferme ce ban pays extérieur à l'Union européenne. À partir de sa dimanche là, tandis que l'Allemagne fin désaffirme sur une frontière à 5 pays qui est bien touché par coronavirus.
Nous retournons dans Maurice Astella avec ma nouvelle étang courant d'air des mers chauds et humides dans nos régions. Et Nabanias qui associe une faible instabilité qui sortit de l'Est, l'hyperinfluence pendant la nuit. 16 heures aujourd'hui après-midi, perturbation tropicale qui centrée autour 16.9 degrés sud en latitude et 70 degrés est en longitude d'environ 1350 km à l'est nord-est. Maurice est clipé des places dans une direction générale l'ouest-nord-ouest, environ 20 km port et évolution de ce système-là, il peut suivre des très près. Prévision à Stella, beau temps à soir pour une bonne période niaise dans la nuit avec banaverse surtout dans la partie est de l'île et le plateau central. Température minimale peut varier entre 20 et 22 degrés l'eau terrain élevé et 24 et 26 degrés l'eau littorale. Pour une appel à pli qui peut faire demain l'eau l'est et l'eau ban hauteur, mi-couvert ailleurs, beau temps au cours de la journée demain. La température maximale peut varier entre 26 et 28 degrés l'eau plateau central et 30 et 33 degrés l'eau région la côte. Divan peut souffler secteur est à environ 15 km port et elle peut renforcer demain. La mer peut agiter au-delà ban récif avec ban houle sud-ouest l'eau de 1,50 m. Marée pour haute demain 10h57 et 14h33. Marée pour basse 20h30 et demain 8h57. Lever soleil 5h52. Coucher soleil demain 18h53. Madame, monsieur, sa zone à la fin ici. Merci pour fidélité. Bonne soirée, le Mansan MBC. Et surtout un bon long week-end à Zut. Au revoir.